C'est arrivé quand? Il y a 20 minutes. Il va s'en sortir. Madame, ne vous approchez pas pour l'instant. Non! Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il va s'en sortir? Aucune pulsation. J'ai besoin du stéthoscope. Très bien. Et maintenant, occupe-toi un peu d'elle. Je sais pas pourquoi il avait ça sous son oreiller. Je savais pas qui t'étais. C'est affreux. Je veux pas qu'il meure. La mémoire de notre fils et regretté époux Lee Smith. Ça fait drôle de revenir dans ce quartier. Ça me paraissait beaucoup plus grand quand j'étais petite. Tu sais, maman sera ravie de vous avoir à la maison. Oui, ça ne m'étonne pas. Bonjour, Bridget. Bonjour, chérie, comment vas-tu? Maman. Ah. Bonjour, chérie. Salut, Marco. Bonjour, papy. Allez, entrons maintenant. J'ai préparé quelques-uns de vos plats favoris, comme la fameuse friture de poisson-chat. Tiens, assieds-toi là. Marc, je t'ai placé à côté de moi. Oui, d'accord. Maman, si ça ne te fait rien, j'aimerais aller me reposer un moment. Assieds-toi, ma chérie, ne déçois pas ta maman. Viens, Clé, on passe à table. Allez, papa. Vous avez fait bonne route, mon chéri? Oui, mais c'était un peu long. J'espère que vous avez faim. Remercions le Seigneur et demandons-lui la grâce de bénir ce repas et celle qu'il a préparée. Amen. Tiens, tiens, attends, il y a encore ça. Merci. Ton ballon de basket. Là, je crois que tout y est. Garde-la, s'il te plaît. Bon, d'accord. On a dit qu'on restait amis, hein? Oui. Johan, je sais que je n'ai pas été à la hauteur et je m'en voudrais toute ma vie de t'avoir déçu. On s'est perdu. Entre mon travail et le tien, les saisons de football et de baseball qui s'enchaînaient, c'était impossible. On ne se voyait plus, on n'avait plus rien en commun. Faut que j'aille travailler. Johan. J'étais peut-être un peu trop exigeante pour notre couple, mais je t'assure que je suis sans rancune. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux qu'on divorce. Qu'est-ce qu'on est adulte. Écoute, je suis peut-être vieux jeu, mais ça serait plus facile si tu me disais que tu m'aimais. Je peux pas te dire ça, Ron. Je t'aimerais toujours, tu le sais. Seulement, je ne suis pas la femme qu'il te faut. Maison à vendre, c'est ici. Monsieur Michaels? Oui. Oh, excusez-moi, je vous dérange peut-être. Non. Non, je vous attendais, je vous en prie. Entrez. Ah, merci. Mon
Mon valet de chambre est en congé, vous comprenez? Oh. Alors, puis-je savoir pourquoi vous vendez la maison? Ah, ce n'est pas moi qui la vends. J'y habite, mais je ne suis que locataire. Une solution temporaire, je suis divorcé. Et moi, veuve? Je suis vraiment désolé. C'est gentil. Bien, je vais vous faire visiter. À vrai dire, ce ne sera pas la peine. Merci. Merci beaucoup. Ah, bon. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Monsieur Michaels, si vous le permettez, je voudrais vous dire que le ciel ne nous fait subir que ce que l'on peut endurer. On arrivera tous les deux à remonter la pente. Vous croyez? J'en suis persuadée. Attendez, je vous ouvre. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, on y va! Plus vite, plus vite, plus vite! Voilà, bien joué! Il y va, ça rentre? Oui. Oui! Parfait, maintenant approchez. Je vais vous montrer quelque chose. Allez, sortez du terrain. Une équipe à droite, l'autre à gauche. Allez. Waouh, c'est immense! C'est vrai, chérie. Mais dès que tu seras habitué à ta nouvelle classe, ça ira mieux. Maman commence demain son nouveau travail à la banque. Tout ira très bien. Tu verras. Moi, je peux te faire avoir un entretien avec le directeur du centre médical. Tu n'aimerais pas être entouré de docteurs? Travailler avec des gens très cultivés. Tu sais, je connais un médecin adorable, le docteur Sweeney. Je vais le contacter. Je connais cet homme, c'est Monsieur Michaels. Je vais lui dire bonjour. J'en ai pour une minute. 22. Mike, tiens. En tout cas, si on perd, au moins on aura fière allure. Ouais. Ouais. Tu peux nous rejoindre au bureau des inscriptions. Oui, oui. Les défaites, c'est du passé. Maintenant, vous allez être champion interscolaire. Bonjour. Tenez, félicitez de vous servir. Je ne vous imaginais pas entraîneur. C'est vrai. En fait, mon fils va venir dans cette école. Oh. Je vous ai vu, alors je suis entrée. C'est une très bonne école, vous avez raison. Vraiment? Oui. Écoutez, je vous adore, mais vous puez. Allez, tout le monde à la douche. Allez, vous lavez, allez. Ouais, on s'en va. Qu'est-ce que vous leur disiez déjà? J'ai entendu, si on perd, en tout cas, au moins... On aura fière allure. Oui, c'est un de nos slogans. J'aime bien. J'avais demandé à l'administration d'acheter de nouveaux maillots, mais finalement, c'est moi qui les leur offre. C'est la première fois que je suis content d'être divorcée. Au moins, je n'ai pas d'explication à fournir quand je reçois mon relevé de compte bancaire. C'est tellement important pour eux. Elles devraient être fières de vous. Vous croyez? Oui. Oh, oh. Bon, eh bien, ravie de vous avoir revu. Il faut que je file. D'accord. Au revoir. Un de ces jours. Bridget, ça m'a vraiment fait plaisir de déjeuner avec vous. J'avais envie de vous inviter. Je viens de recevoir une partie des remboursements de l'assurance vie de mon mari. C'est un peu morbide de recevoir de l'argent comme ça, alors j'ai ressenti le besoin d'en consacrer une partie à quelque chose de positif. Eh bien, vous m'envoyez flatter. C'était bon. Au fait, pourquoi ne portez-vous jamais de costume? Vous avez la silhouette idéale, ça vous irait très bien. Oh, vraiment? Oh, ça ne fait aucun doute. À vrai dire, ça ne compte pas tellement pour moi, je suis juste entraîneur. Non, personne n'est juste telle ou telle chose, je vous assure. On se tutoie peut-être? D'accord. Oui. Je te trouve extraordinaire quand tu apprends aux gamins à avoir de l'estime pour eux-mêmes. Mais dès qu'il s'agit de toi, tu sembles dépassé. Merci, c'est gentil. Quoi? J'ai dit quelque chose qui... Non, je viens de me rendre compte que toi et ton mari deviez bien vous entendre et que sa disparition a dû être dure à vivre. Je veux dire, moi, c'est pas pareil. Quand on a divorcé, c'est parce que je l'ai choisi, en quelque sorte. Oui, il m'arrive de me réveiller en pensant le trouver endormi près de moi. Tu sais, tu n'es pas obligé d'en parler si tu as pas... Non, justement, je voulais te dire quelque chose. Au début de notre mariage... Il voulait devenir enseignant, mais il a fini par abandonner cette idée tout de suite après la naissance de notre fils. Il disait que ça ne payait pas assez. Et ça l'a changé, ça l'a rendu amer. Souvent, il me le reprochait. Pourtant, ce n'est pas moi qui lui ai demandé de tout laisser tomber. C'était son choix. Et je crois que le fait d'enseigner est l'une des choses les plus honorables que quelqu'un puisse faire dans la vie. Ah oui? Je crois que c'est pour ça que je t'admire tellement. Bien joué, ça. J'ai mis du nez. Pense à tes jambes. C'est ça. Allez, faites circuler le ballon. Attention, en défense. Allez. Hé, hé, hé. C'est trop large, ça.
Voilà, c'est mieux. Hey, on joue le ballon. Et on se bat jusqu'au bout. Allez, on arrête maintenant, c'est fini. Entraînement demain à 15h. Johan, qu'est-ce que tu fais ici? Y a un problème? Ron, grand-mère est morte ce matin. L'hôpital m'a averti au bureau. Je suis vraiment désolé. J'ai un tel chagrin. C'était une grande dame, elle t'aimait. Ron, si je te perdais, je crois que je deviendrais folle. Tu ne me perdras jamais, Johan. On est amis, tu le sais bien. Écoute, viens dîner avec Bridget et moi. Je ne veux surtout pas te laisser dans cet état. Non, ça va aller. J'ai envie de rester un peu seule maintenant. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Tu m'appelles. Ron? Oui. Aucune rancune entre nous, hein? Non. C'est de ma faute si tu es avec quelqu'un d'autre. C'est la vie, on n'y peut rien. Qui c'est? Je t'expliquerai. Mais pourquoi pas maintenant? C'est mon ex-femme, Joe. Avant de nous recueillir, je voudrais annoncer que notre groupe de réflexion se réunira demain à 14h. Et aussi remercier Madame Ronald Michaels pour avoir conçu elle-même les nouvelles tenues des choristes. Oh, Marc, on est si content que tu deviennes notre petit fils. Oh, c'est si gentil, avec un M comme dans Michaels. J'espère qu'il lui ira. Oh, c'est trop mignon. Fais un gros bisou à tes grands-parents. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Mes vrais grands-parents me manquent. Marc! Oh, voilà, regarde, voilà papy et mamie, va les embrasser. Je suis vraiment désolée. Bridget, bonjour, mamie. Nous ne cherchons pas à prendre la place des parents de Lee, vous le savez. Ils ne se sont jamais préoccupés de Marc, de toute façon. Vous êtes la seule vraie famille qu'on ait jamais eue. Ron? Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bonjour, papa. Maman? Bonjour, chérie. On est un peu en retard. J'ai un appareil de musculation dernier cri, tu vas voir. Oh! Oui, en effet. Ah, c'est génial. Tu fais d'abord un peu d'exercice avec ta femme, puis tu files te coucher avec elle. Et tu crois que quand votre lune de miel sera finie, t'arrêteras de te vanter? Notre lune de miel ne finira jamais. Bridget m'a apporté une famille, un foyer. On partage tout. Toute ma vie, j'ai eu des soucis financiers, jamais un rond devant moi. Bridget s'est servie de l'assurance vie de son mari. Elle a fait travailler cet argent ainsi que celui que je gagne tous les mois. Elle a fait des placements en actions, en plan d'épargne et tout ça. Elle sait ce qui est intéressant par sa banque. Et tout d'un coup, on a cette vie formidable. Et de l'argent devant nous. Ah oui. Justement, je me posais la question. Évidemment. Après tout, toi, tu es le célèbre patron d'une chaîne de télévision et moi, je ne suis qu'un entraîneur. Et c'est pour ça que j'avoue devoir beaucoup à Bridget. D'ailleurs, dès que Marc sera plus grand, j'ai l'intention de donner à Bridget la possibilité de faire des études, de passer au moins une maîtrise. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? On parlait de toi. Pas en mal, j'espère. Oh, bien sûr que non, ma petite fleur du paradis. Va plutôt embrasser ton père et ta mère, je crois qu'ils sont sur le départ. Je suis désolée, je ne sais pas où sont passés ces 500 dollars. Ce n'est pas la première fois. Vous aviez une erreur de caisse de 200 dollars le mois dernier. Non, je les ai remboursés. On vous a accordé un dépassement de salaire de 400 dollars peu de temps avant Noël.
Vous aviez prétexté que votre fils devait être hospitalisé. Or, ce montant ne nous a toujours pas été rendu. Si vous voulez, je peux vous le rendre aujourd'hui. Quant à ce chèque de remboursement d'hypothèque, il a été refusé. Compte non approvisionné. Écoutez, vous pouvez redéposer ce chèque. Tout est en ordre. Je viens de mettre la somme sur mon compte. Je ne vous crois plus, Madame Michaels. Nous fermons votre compte chez nous. Et j'ajoute que vous ne faites plus partie de nos employés. Bridget, tu me terrifies. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Mais non, je te dis, je préférais ne pas en parler. Oh, d'accord, ça va, j'arrête. J'ai eu une journée un peu difficile, chérie. Maintenant que tu es là, tout va déjà beaucoup mieux. Joanne? Salut. Salut, Ron. Comment vas-tu? Bien. Bridget, voici Joanne. Joanne, Bridget. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi, oui. Ron, j'avais envie de t'appeler pour te remercier pour les fleurs que tu as envoyées pour grand-mère. Tu aurais dû, je t'assure. On a dit qu'on restait amis. Félicitations pour votre mariage. Merci. C'est gentil, merci. Bien, au revoir. Oui. C'était Joanne. Oui, m'en serais douté. En fait, Ron m'a dit un tel bien de toi qu'il m'a persuadé que tu seras un atout pour la chaîne. Bon, alors je commence quand? Eh bien, dès maintenant, si tu veux. En général, on n'emploie que des diplômés, mais une battante telle que toi ne devrait avoir aucun mal à trouver des annonceurs. Tiens, voilà ton bureau. Qu'est-ce que t'en dis? Hayden, nous n'avons pas encore discuté de mon salaire. Ah, ici, il n'y a pas de salaire, ce sont des commissions. Oui, plus tu trouves d'annonceurs, plus tu gagnes d'argent. Et sans limitation. Oh, alors là, j'avoue que ça mérite une certaine réflexion. Je dispose en ce moment d'une vraie sécurité à la banque. Ah, excuse-moi, je croyais que tu le savais. Chaque vente donne droit à une commission. Tu veux que je te dise, le temps de te rôder, je te paierai $150 par semaine à titre d'avance. Ça te va? Salut patron, ça va? Preston. Bridget Michaels, Preston Paven. Bonjour Bridget. Enchanté. Tiens, voilà un homme qui vide ses commissions. Il a encore gagné près de $20,000 ce mois-ci. Et je vais vous dire, si vous êtes prête à suivre mes traces, le ciel est à vous. Au fait, Preston, montre-lui dans les locaux. Avec joie. D'accord, allons-y. C'est dans le dossier. Au revoir. À plus tard, Bridget. Alors, où est votre bureau? Première porte à droite. Oh. Chérie? Bridget, tu n'avais pas payé la facture de l'orthodontiste de... Marc? Je quitte la banque, Ron. Quoi? Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Comme Joanne? Oh, tu ne devineras jamais où je travaille. Tu quittes la banque? Oui, je suis passée cadre, figure-toi. Et Hayden me laisse gérer moi-même un service. Bridget. Bonsoir. Il y en a pour plus de $200. Je croyais qu'on dînait ici pour que ça nous coûte moins cher. C'est un repas d'affaires et c'est déductible des impôts. Et puis je viens d'égaler le record des meilleures ventes de plages publicitaires. C'est vrai? Oui, t'es pas fière de moi? Si. Je suis très fière de toi. Où as-tu appris à faire cette délicieuse tarte? Eh bien, c'est l'un des avantages qu'il y a à grandir dans le Sud. Ma mère dit toujours qu'une femme doit connaître plus de 1000 recettes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me mets dans de beaux draps, toi, tu sais, mon vieux. Maintenant, Tina veut une maison comme la vôtre. Fais-le. Les taux d'intérêt sont en baisse. Tu sais, Bridget nous a trouvé une bonne hypothèque. Entre ça et l'emprunt qu'on a réussi à faire, on a pu se permettre d'acheter la maison. C'est elle qui s'occupe de toutes vos finances?
Pourquoi ça te pose un problème, espèce de vieux macho? Oui, je sais que vous faites campagne à la radio, monsieur, mais est-ce que vous savez que notre audience représente une part de marché de près de... Oui, je comprends, mais peut-être que si on en parlait autour d'un déjeuner et que je vous montrais notre plan d'activité, vous seriez... Oh, d'accord, oui. Oui, vous êtes très occupé, je sais. Je viens de conclure avec les pizzas presto un contrat de 20 spots par semaine et tout ça en prime time. Oh, félicitations. Merci, ça fait plaisir. Choisissez le restaurant, je vous invite. Laissez-moi réfléchir. Édition Broderie Fils, qu'est-ce que c'est fait de moi? C'est personnel, quoi s'agit-il, hein? Preston, c'est pas drôle. Non, c'était donc ça, hein. Je vous entendais taper à la machine. Voyons un peu, chapitre 1. Une femme qui s'ennuie. Brenda Judy Jordan avait tout ce qu'il fallait. La beauté, des tenues haute couture, des diamants. Tous les hommes rêvaient de Brenda. Elle avait quitté le monde ennuyeux de la banque pour celui de la télévision en devenant directrice d'une chaîne très suivie. Personne ne soupçonnait derrière tant de succès les tourments dont elle souffrait en secret. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ouh, ça a l'air chaud. Si on allait chez Charlie... Très bonne idée. Champagne. D'accord, oui. Allons-y. Les tourments dont elle souffrait en secret. C'est quoi toutes ces factures? Bien. Je ne savais pas que la chaîne mettrait autant de temps à verser ma commission sur mon compte. J'ai donc dû retarder quelques paiements jusqu'à la fin des vacances. Je vais tout arranger, tu verras. Il s'agit de plusieurs milliers de dollars. On est endetté jusqu'au cou, ma chérie. Je vais régler ce petit problème. Aie confiance en moi. Confiance en toi alors que tu ne m'en avais même pas parlé? Je ne voulais pas t'inquiéter avec cette question. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Pour moi? Je n'ai jamais exigé quoi que ce soit. Oui, mais tu voulais que tout soit parfait. Et tu ne m'as jamais demandé comment je me débrouillais. Alors ne viens pas me reprocher de t'avoir offert ce que tu voulais. Ce que je voulais? Mais je crois que c'est ta mère surtout que tu cherches à impressionner. Je t'interdis de parler de ce que tu ne sais pas, tu m'entends? Tu n'as aucune idée de ce que ma mère a fait pour moi. Mais ne t'en va pas, je te parle, Ron. Tu sais combien ton soutien m'est nécessaire, chérie. Je ne peux pas, je ne pourrais pas régler cette affaire si tu ne m'aides pas. Dis-moi que tu m'aimes. J'ai besoin de te l'entendre dire. Je ne vois pas comment t'as pu faire toutes ces dettes et agir comme si c'était pas grave. Ron! Ron! Comment ça va? Ça va. Je viens de sortir mes brownies du four. Tu veux y goûter? Avec plaisir. Ils sont délicieux, hein? Je raffolais ta cuisine. Merci. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Je commence à me demander si j'ai bien fait de l'épouser. Oh, Ron, c'est peut-être pas à moi qu'il faut dire ça. Aujourd'hui, je cherchais une chaussure et sous le lit, j'ai trouvé une boîte pleine de factures. Des factures de plusieurs milliers de dollars, impayées. Des lettres de société de recouvrement. Mais elle, elle continue à dépenser à tout va, sans penser au lendemain. Tu ne t'es jamais douté de rien? Quoi? Je veux dire, je vous ai vu évoluer et je vois à peu près votre train de vie. Toi et moi, on n'aurait pas pu se le permettre. De quel côté es-tu, toi? Oh, je veux juger personne, tu sais, Ron.
L'argent était notre principal sujet de dispute. Souviens-toi du jour où tu avais loué un bateau à moteur. Une sacrée dispute. Avec toi, les choses étaient claires. C'est sans doute pour ça qu'on n'est plus mariés. Tu sais ce que je regrette le plus? Le jour où tu es venu me voir quand ta grand-mère est morte. Tu étais là parce que tu avais besoin de moi. Et je t'ai laissé repartir. C'est bizarre, la vie. Les choses n'arrivent jamais au bon moment. Il t'appelle mon cœur. Ça a l'air plutôt sérieux. Vous allez vous marier? Oui, je l'ai connu lors d'un voyage d'affaires à Chicago. Il faut que je rentre. Ron, si tu étais venu frapper à ma porte simplement 2 mois plus tôt, je ne t'aurais pas laissé retourner auprès d'elle. Mais peut-être que... s'il y a une leçon à tirer de cette expérience, c'est de ne pas prendre le mariage à la légère. Ça me fait quelque chose de dire ça. Allez, va la retrouver. Fais que ça marche. Oui. On pourrait déjà échanger nos voitures, Ron. Tu prendrais notre vieille Chevrolet, et nous, on finirait de payer les traites de la tienne. Ça serait chouette. Il reste encore à peu près 30 d'échéances à régler. Cet emprunt a été reconduit déjà 2 fois. Le taux d'intérêt est pharaonique, regarde. Quand a-t-on reçu une telle somme? Et où est passé cet argent? On va s'en sortir, ne t'en fais pas. À mon avis, tu devrais prendre une boîte postale et conserver la clé hors de sa portée. Je vais chercher la voiture. Merci, papa. Quitte-la, Ronald. Il faut que tu m'écoutes. Il n'y a qu'une solution. Le divorce, et c'est tout. Soit elle est diabolique, soit elle est folle. Ce qui est sûr, c'est que tu cours à ta ruine. Qu'est-ce que tu fais de Marc? Je sais d'avance que je n'en aurais pas la garde, même si je pouvais me payer un avocat. N'oublie pas que je lui ai donné mon nom. Et je sais que tu ne m'as pas élevé pour que j'abandonne mon fils. Je pense qu'il a déjà perdu un père. Oh, mon pauvre chéri. Hé, il y en a juste là. Oui, c'est vrai, je te vois, il est là. Laisse-le revenir doucement vers nous, très bien. Il approche. Oui, ça y est. Vas-y, Marc, ramène-le, vite. Hé, hey, tu l'as eu. Youhou. Ouais, on l'a eu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais t'apprendre à le préparer. Il est beau, hein, papa? Ah, mais tu veux dire, il est superbe. C'est toi qui l'as pêché en plus. Je suis fier de toi. Très fier. Bridget. Oh, Hayden. Alors, ça va? Mais je te croyais à la convention du cinéma. Oh, je suis rentré plus tôt que prévu. Alors, quoi de nouveau? J'ai eu un rendez-vous chez Trans Automatique et je crois qu'ils peuvent devenir notre plus gros annonceur. Ma foi, j'en serais ravi. Encore faudrait-il signer un contrat avec eux. Est-ce que ça va se faire? Oui, ben... Bridget, dépêche-toi. On a un rendez-vous à 3 heures. Oui, c'est vrai. Salut, Hayden. C'était bien Las Vegas? T'as eu des contrats ou t'as joué au blackjack? Nous avons le regret de vous informer que votre manuscrit n'a pas retenu notre attention. Allô? Joanne, ça va, c'est moi, Ron. Bonsoir. Je t'appelais comme ça parce que j'ai reçu ta carte postale. C'est très gentil, merci.
Est-ce que tout va bien? Ça s'est assez mal passé avec Eric à Chicago. Oh, non, je suis vraiment navré pour toi. Pourtant, il y a plein de gens qui se marient et qui vivent heureux jusqu'à leur mort, alors pourquoi pas nous? Je crois que... Cette histoire du bonheur conjugal, c'est une sorte de carotte qu'on agite devant soi quand on se marie. Tu sais, moi, j'ai fait une croix sur ce sujet depuis longtemps. Comment ça va entre toi et Bridget? Qu'est-ce que tu veux, on fait aller? Oui. Tu viens sous la douche avec moi? Je suis plutôt crevé. Je crois que le mieux, c'est que je paye quelques factures. Je dorme. Comme tu voudras. Je suis navré que notre collaboration s'achève, mais j'ai besoin de ta signature sur cette reconnaissance de dette pour ce que tu dois à la chaîne. C'est juste une formalité. Tu veux peut-être vérifier le montant inscrit? J'ai déjà tout arrangé pour échelonner tes remboursements. J'apprécie ton geste. Où est-ce que je signe? En bas, là. Bonne chance. Oui, c'est ça. Avec ça, le prêt est accordé, je suppose. 25 000 dollars, oui, je peux vous l'accorder. J'ai vérifié auprès de notre service juridique et... cette lettre écrite par votre éditeur a valeur de contrat. Par ailleurs, le fait qu'elle annonce une rentrée d'argent joue en votre faveur. Oh, je suis vraiment soulagée. Non, c'est vrai, je n'arrête pas de dire à Ron qu'il est temps qu'on rembourse toutes ses dettes. D'ailleurs, où il est? Il n'est pas venu? Ah, non, il n'a pas pu, mais... j'ai sa procuration. L'ennui, c'est que j'ai besoin que vous signiez tous les deux devant moi pour que le contrat soit légal. Oh, je suis désolée, Ron est si occupé à l'école que c'est très dur pour lui de se libérer, ne serait-ce qu'une matinée. Allez, puisqu'on chante ensemble à l'église. Mais ne le dites pas. Non. Quant à moi, j'attends avec impatience de pouvoir vous lire. Je suis une dévoreuse de romans. Salut, maman. Salut, chérie. Allô? Bonjour, Bridget. C'est Hayden. Je te rappelle que tu dois toujours de l'argent. Je te prenais pour un ami, Hayden. Je ne t'appelle pas de gaieté de cœur, mais tu as signé toi-même une reconnaissance de dette quand tu es parti. J'ai même fait en sorte que les paiements soient échelonnés. Je te rappelle. Crois-moi, si je pouvais rembourser ce que je dois à la chaîne, je le ferais. Bridget. Tu ne dois pas seulement de l'argent à la chaîne. Tu es aussi redevable envers moi. Ne te fais aucun souci. Tu l'auras, ton argent. De toute façon, c'est tout ce qui compte pour toi. Bridget, ne me pousse pas à bout. C'était qui au téléphone? Oh, c'est... c'est un vendeur de je ne sais quoi, au juste.
En les ignorant, ils se découragent. Hé, hey, Marc, devine ce que je viens d'entendre à la radio. Vas-y, dis. Les Nuggets changent d'entraîneur. Ah, chouette, ils gagneront peut-être cette année. Ah oui, c'est intéressant. Et pourquoi on n'irait pas les voir jouer ce week-end? On entasse tout dans la voiture et hop, en 2 heures, on y est. C'est une situation très délicate, Aiden. Il est clair que Ron ne se doute absolument pas que Bridget doit à la chaîne plus de 3000 dollars. À mon avis, il pense même qu'elle y travaille encore. Je ne veux pas le lui dire uniquement par colère. Ce serait un péché. Mais si l'on tait une chose aussi importante pour Ron, est-ce qu'on ne pêche pas aussi d'une autre façon? Vous avez bien fait de venir me voir. Nous sommes tous soucieux de chacune des personnes concernées. Demandons conseil au Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça va, Billy? Salut, Aiden. Salut, Ron. Qu'est-ce que tu bois? Oui, ça sera parfait. Ron, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Bridget ne travaille plus chez nous. Attends un peu, elle m'a dit pas plus tard qu'hier qu'elle avait décroché un contrat. Elle t'en raconte des conneries, ça va faire 2 mois qu'elle a arrêté. Elle doit de l'argent à la chaîne. Entraînement de basket du jeudi. Carline n'est pas assez vigilant en défense ces temps-ci. Je vais devoir le mettre sur le banc. Janvier, 21h. C'est encore moi. Je suis peut-être paranoïaque, mais j'ai un étrange pressentiment. Ron, tu ne m'accompagnes pas à l'église ? Je ne peux plus regarder ces gens en face. Je n'entends rien de ce que tu dis. Le regard de ces gens me fait trop mal. Quand on sera tous à l'église en train de chanter... Hey, c'est ça. Je suis sûre que demain, je trouverai du boulot. Tout ira bien, tu verras. On n'en finit jamais avec toi, hein, Bridget? Ron! Et en plus avec ce type? Non, attends, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Non, je veux que tu...
Non, non. Fous le camp. Il faut qu'on discute. Ne me laisse pas comme ça, je t'en supplie. Je peux tout t'expliquer, s'il te plaît. Non. Preston, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas trop. Je n'aurais pas dû venir. Je vais encore te raconter mes problèmes de couple et tu mérites mieux que ça. Les amis servent aussi quand on a de la peine. Tu viens d'apprendre qu'elle me trompe. Non. Je sais aussi que son boulot, eh ben, c'était du bidon. Elle faisait semblant d'aller au travail alors qu'elle avait été virée. Il vaut mieux que je te laisse. Ron, quitte-la. Peu importe ce que je t'ai dit la dernière fois, tu ne vas pas continuer à te punir. J'ai des obligations envers Marc, il n'a que moi dans la vie. Son vrai père est mort. Oui, d'un coup de revolver. Oh non. Elle dit que c'était un accident. Qu'est-ce que... Tu ne crois pas ce qu'elle dit? Si, je la crois. Et si je meurs un jour... D'un coup de feu accidentel, promets-moi de faire ton enquête. Tu veux? D'accord. Mais sérieusement, il y a certainement eu une enquête de police quand son premier mari est mort. Ah oui, bien sûr, oui, tu as raison. En fait, je suis complètement parano, je vais te laisser. Ron, écoute, pourquoi tu ne viendrais pas boire un café demain matin pour qu'on en discute? Tu es ma seule amie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où non plus, mais... Je souhaite de tout mon cœur qu'on arrive à se retrouver, tous les deux. Au revoir. Ron? Ron? Bonjour, c'est Kitty Sanders de la banque Snorri Ridge. Je me permets d'appeler chez vous parce qu'il me faut un chèque de remboursement avant la fin de la semaine. Alors Bridget, appelez-moi. À moins que vous ne préfériez que j'en parle directement à Ron. Salope. Ron, il faut qu'on discute, chérie. De quoi veux-tu qu'on parle désormais?
Bridget veut te parler. Quoi? De gros ralentissements sont donc à prévoir demain matin sur les autoroutes 7 et 31. Revenons maintenant sur le drame de ce matin. L'équipe de basket de Jordan High est en deuil. Retrouvons notre envoyé spécial en direct. L'entraîneur Ron Michaels est mort ce matin des suites d'une blessure par balle produite accidentellement par l'arme qu'il conservait sous son oreiller. Ron Michaels était l'un des entraîneurs les plus talentueux de la Ligue interscolaire. Il avait été nommé 3 fois entraîneur de l'année au cours des 5 dernières années. Il laisse derrière lui son fils Mark. Oh non! Où est la dame qui désire me parler? Je suis l'inspecteur Cochrane, madame. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je suis John Michaels, l'ex-femme de Ron Michaels. Oui? Eh bien, je ne crois pas que sa mort ait été accidentelle. Je crois que sa femme l'a assassinée. Sachez que je comprends très bien vos griefs envers cette personne, madame, mais c'est une accusation très grave. Ron et moi étions restés amis. Il me confiait ses soucis et il craignait pour sa vie. C'était un tragique accident. Rentrez chez vous, madame. Quand aurez-vous le rapport d'autopsie? Il n'y a pas d'autopsie sur les décès accidentels. Et sur les photos que vous avez prises sur les lieux du crime, où se trouvait l'arme? Aucune photo n'a été prise. Vous avez relevé des empreintes, non? Sa veuve a reconnu avoir appuyé de façon accidentelle sur la gâchette. Pourquoi aurais-je fait relever les empreintes? Ron Michaels avait une longue expérience de chasseur. Il était obsédé par la sécurité. Vous croyez vraiment qu'il dormait toujours avec une arme chargée sous son oreiller? Madame, je suis inspecteur de police. Je ne suis pas Dieu. La liste des faits que je ne saurais expliquer est plutôt longue. Mais une chose est sûre, je me consacre à ce métier depuis 19 ans. J'ai 8 ans d'expérience à la criminelle. Alors suivez mon conseil. Rentrez chez vous et laissez-nous faire notre métier. Ton frère va rester ici avec toi. Je ne tiens pas à ce qu'il reste avec moi. Je n'ai pas besoin de clés. Bridget, j'essaie de t'aider comme je peux. Tu as besoin de chaleur, Bridget. C'est à ça que sert la famille. Vous m'observez comme des vautours. Jamais je n'aurais dû revenir dans cette ville. Il me semble que tu as toujours fait exactement ce que tu voulais de ta vie. Tu t'es toujours montré critique envers moi. Tu n'as jamais pris mon parti. Dis-le, maman. Dis que tu crois que j'ai tué Ron par accident. Dis-moi que tu me crois. Je t'ai toujours soutenue et je continuerai à le faire. Tu es ma fille. Mais tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Et pour tout te dire, je suis déçue que tu le fasses. Maman, je te demande pardon. Mais comprends-moi, c'est trop dur de revivre la même chose. Les gens me regardent comme une bête curieuse. Et je sais qu'ils parlent de moi. Excuse-moi, maman. Je suis désolée. Je te demande pardon.
Merci d'être venu. C'est tellement affreux. Il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers le Seigneur, en le priant de nous aider à accepter ce qui s'est passé. C'est terriblement dur à accepter. Oui, c'est vrai. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi... C'était un accident. Notre foi chrétienne nous ordonne de pardonner. C'est ce que Ron aurait voulu. Je vais m'occuper de nos amis. Reste avec John. Tu nous as beaucoup manqué, tu sais. Oui. Il a un tel chagrin, il nous est très difficile d'en parler. Avez-vous le moindre doute? Comment ne pas en avoir quand on connaît Bridget? Diane, écoutez. J'ai retrouvé des coupures de presse. Regardez. Son premier mari? J'avais promis à Ron que s'il lui arrivait quoi que ce soit... Tu veux dire que Ron savait... Ron savait que Bridget avait l'intention de le tuer? À la fin, il l'a soupçonné, oui. Oh, Seigneur, Ron... Ron, pardonne-moi. J'aurais dû courir à la police. Oh, Diane... Oh. On peut peut-être faire quelque chose. Oh. On vient de nous livrer ça. Je les mets où? Me les donne en bas avec les autres fleurs, tu veux? C'est bien sexy pour un enterrement. Oh, Clay, depuis quand est-ce que tu t'intéresses à la mode? Ron aimait que je m'habille comme ça. C'est pour lui que je le fais. Seigneur, reçois Ron Michaels dans ton royaume éternel. Accorde-lui de reposer en paix dans ta bonté divine. En compagnie de tous les saints qui peuplent le paradis. Amen. Amen. John. Diane. On t'aime très fort. Moi aussi. Merci d'être venu, Joan. C'était un très bel enterrement, n'est-ce pas? Toutes mes condoléances. Sincères condoléances. Oh, Warren. Warren. Je suis contente que vous soyez là. C'est tellement difficile. Quand je vois la force avec laquelle vous endurez votre souffrance, j'avoue que je vous admire énormément, Bridget. Oh, je ne suis pas aussi forte que vous le pensez. Je n'arrive pas encore à me résoudre à toucher à toutes ces affaires. Je sais. Vous pourriez monter quelques instants avec moi pour m'aider à me séparer de ces vêtements.
Je ne peux pas les garder, vous comprenez. Mais je sais ce que vous pouvez ressentir. Oui, je sais que c'est idiot, mais leur simple vue me rappelle son absence et il m'est pénible de pénétrer dans notre chambre. Maintenant qu'il n'est plus là. Je crois que je me sentirais mieux si vous pouviez me débarrasser de tout ceci. Brigitte, c'est peut-être un peu tôt pour que vous fassiez cela. Si je vous laissais une clé, pensez-vous que vous pourriez venir en mon absence prendre ces affaires? Je suis sûre que certains pauvres seraient contents de les avoir. Warren, ce pull vous irait? Ron avait tellement d'estime pour vous que je suis sûre qu'il aurait voulu que vous ayez quelque chose de lui. Il vous va? Maman? Mamie voudrait que tu descendes. J'arrive tout de suite. Je dois descendre, excusez-moi. Bien sûr. Bridget, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous savez très bien de quoi j'ai besoin. Dites-moi, en réalité, vous ne m'avez pas fait venir ici pour me parler de notre chorale, n'est-ce pas? Je veux dire que jusqu'ici, vous n'avez fait que m'interroger au sujet de Bridget. Là, tout de même, je trouve que vous exagérez un peu, Warren. Vraiment? Vous n'avez aucune idée de ce que Bridget a traversé, ce qu'elle a souffert. Vous m'excuserez si je suis un peu protecteur envers cette personne. Je ne voulais pas vous sembler indiscrète. Si Bridget Michaels avait tué son mari de ses propres mains, croyez-vous que la police l'aurait laissé impunément en liberté? Ah, mais je n'ai jamais dit qu'elle a tué son mari. Le fait que ces deux maris soient morts du même accident, n'importe qui peut se rendre compte que ce n'est qu'une affreuse coïncidence. Nous vivons dans un monde de fous où les armes règnent. Maintenant, cette femme est veuve. Vous n'êtes que divorcée. Vous devriez peut-être y réfléchir et lui ficher la paix. Merci, Warren, j'y penserai. Madame Smith? Oui? Ron Michaels, le second mari de Bridget, vient de mourir d'un coup de feu accidentel. Je suis Joanne, son ex-femme. Et je m'efforce de réunir des informations pour la police. Et je pense que c'est peut-être elle qui l'a tué, tout comme elle a tué mon fils. Oh, ma pauvre petite tante. Merci. Entrez donc. Oh, je sais, j'aurais pas dû découper le visage de Bridget sur les photos, mais... Mais j'étais seule ce jour-là et je... Vous devez me trouver complètement folle, je suppose. Non. Quant à Marc, je sais que c'est un gentil garçon. Oui. Son beau-père n'avait pourtant pas l'air d'un homme rancunier. Il est resté ami avec vous, et ce malgré votre divorce. Alors pourquoi nous a-t-il empêché de voir notre petit-fils? Ron m'avait dit que Marc vous réclamait au début. Mais Bridget lui avait affirmé que vous ne vous étiez jamais occupé de votre petit-fils. Oh... Monsieur Smith, comment est-ce que ça a pu arriver? Venez, marchons un petit peu. Oh, je voudrais savoir comment elle a réussi à être innocentée. La loi de Murphy, vous connaissez? Par ici, vous savez, les meurtres sont rares. Bridget avait appelé le service d'urgence, et ils ne lui ont pas envoyé l'inspecteur Kojak, mais une équipe de pompiers volontaires avec une trousse de premier secours. Et Bridget leur a fait croire que c'était un accident. Tout le monde le connaissait, les voisins l'appréciaient. Quand la police a essayé d'enquêter sur cette affaire, eh bien, ils se sont heurtés à des choses qui ne conduisaient nulle part. Et ensuite, l'inspecteur chargé de l'affaire a été muté, un nouveau shérif a été élu, les différentes compagnies d'assurance étaient pressées de clore ce dossier, quelle que soit l'issue d'ailleurs. Si vous voulez mon avis, ils ont tous fini par s'en laver les mains, c'est tout. Monsieur Smith, je vous laisse le numéro de l'inspecteur Cochrane. Je crois qu'il serait utile de lui raconter tout ceci. Et faites bien attention. Bridget a l'air douce, comme un agneau. Mais elle est capable de n'importe quoi. Ouais. Excusez-moi, on est venu voir l'inspecteur Cochrane. Il est juste là.
Excusez-moi, la personne n'est pas joignable actuellement. Mesdames, je vous en prie, asseyez-vous. Nous sommes venus vous parler du premier mari de Bridget Michaels, Lee Smith. Regardez ces documents. Toutes mes condoléances, madame. Merci. Je savais pour Lee Smith. Ah. D'ailleurs, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec le médecin légiste. Je vais pouvoir examiner son dossier. Nous avons aussi une copie du certificat de mariage de Bridget et Ron, qui va nous servir à contrôler toutes les armes enregistrées sous leur nom. Et j'ai pris des dispositions pour qu'il y ait une reconstitution. Vraiment? Oui. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Madame Michaels, je suis l'inspecteur Cochrane et voici l'inspecteur Gaines. C'est moi qui vous ai téléphoné. Est-ce que vous vous sentez prête? Je n'en sais rien encore, mais ce qui est sûr, c'est que je désire en finir avec cette histoire. Entrez. Je dois refaire ce qui s'est passé ce soir-là? Oui, et je voudrais que... Madame Michaels, si ça ne vous contrarie pas, je voudrais que Gaines joue le rôle de votre mari durant cette reconstitution. Oh, si vous voulez. Voilà, je me rappelle m'être étirée et avoir glissé la main juste là, sous l'oreiller, et avoir senti quelque chose. Je vois. Ça m'a fait sursauter. Alors j'ai retiré ma main de sous l'oreiller. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mes larmes s'y trouvaient. En fait, sur toute cette partie, j'ai des souvenirs assez vagues. Non, vous savez quoi? Il n'est pas dans la bonne position. Non, vos jambes doivent être un peu plus en avant et votre buste être un peu plus en arrière. Voilà, comme ça. Comme ça? Voilà, comme ça. La couverture venait juste au-dessus du bas de son oreiller. Voilà, comme ça, exactement. D'accord. Vous savez, il se trouve que j'ai justement l'arme avec moi, si ça peut vous aider. Non, merci. Vous êtes sûr? D'accord. Continuez, Madame Michaels. Je ne sais pas dans quelle position se trouvait l'arme quand je l'ai sortie de là-dessous, mais j'ai réalisé que c'était... Je me suis dit qu'il fallait que je me lève. Il fallait que je me lève et que je retire cet objet de l'endroit où il était. Et j'ai entendu cet horrible bruit. Et ça... Ça m'a choquée. Alors, j'ai vu que... J'ai réalisé que Ron... Oh, Ron... Voilà, inspecteur, j'espère que ça vous aidera. Absolument. Vous pouvez considérer que cette enquête est terminée. Ils n'ont pas que des choses ravissantes. Il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que tu fais, mon père? Moi, j'ai des goûts de luxe. Je suis toujours attirée par ce qui est le plus cher. Le plus beau, tu sais. On se voit bientôt? Je te téléphone, n'oublie pas. Ah, tes paquets. Oh, merci. Au revoir, Brigitte. Il faut que je finisse. Je sais. À bientôt. Au revoir.
Appelle le bureau dès que possible. Ron disait que vous étiez instable. D'ailleurs, il m'avait avoué que le jour où votre divorce a été prononcé, vous êtes allé le voir à l'école pour le supplier de reprendre la vie commune. J'ai lu les lettres que vous lui avez écrites et toutes celles que vous avez envoyées à l'école après notre mariage. Ron m'a absolument tout raconté sur vous, Johan. Après tout, Ron était mon mari. Comment Ron est-il décédé? Vous avez lu la presse, je pense. Ce qui vous chiffonne, c'est que Ron m'avait choisi, moi et pas vous. Ça vous obsède. Mais on ne forme plus un triangle à présent, Johan. C'est fini, tout ça. Et je regrette, je ne vous laisserai pas salir ma réputation. C'est clair? L'enquête est finie, hein? C'est vrai, je lui ai dit de considérer cette enquête comme étant finie. Eh, j'aurais tout aussi bien pu lui dire que j'étais le prince Charles. Toute cette partie est géniale. Elle pointe bien l'arme sur lui, mais jamais suivant le bon angle. Il faut qu'elle reste fidèle à sa version des faits. Mais quand elle rejoue la scène, la seule façon qu'il a de tenir l'arme, c'est de sa main droite, le canon pointé vers le haut. Ce qui contredit totalement le rapport balistique. Voilà pourquoi j'en conclus que sa version n'est pas crédible. Qui veut revoir la séquence où elle se roule littéralement sur Gaines? C'était pour le bien de l'enquête. Ouais. Je trouve que pour une femme qui a peur des armes, elle n'était pas gênée de toucher ton pistolet. Vous n'êtes que des cochons. Non, c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Il voulait sans doute parler de 109 mm. C'est insuffisant. Le juge dira que c'est irrecevable, Cochrane. La reconstitution nous prouve qu'elle nous a menti. Oui, mais ça ne constitue pas une preuve. Les révélations sur son premier mari sont édifiantes, mais rien ne prouve qu'elle l'ait tué volontairement. D'ailleurs, je ne garantis pas qu'un juge nous laisserait mentionner ce premier accident. De plus, la reconstitution n'est pas fidèle. Elle tenait l'arme. Le lit était ouvert. Et vous venez me demander de conseiller à un jury de mettre en prison une maman, une veuve qui plus est une fervente chrétienne? Vous insinuez que Bridget Michaels n'a pas tué son second mari? Non. Non, elle l'a tué. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Et du côté de sa première femme, Joan, elle connaissait la victime mieux que personne. Il y a peut-être quelque chose à trouver de son côté. C'est peut-être notre dernier atout. Elle est trop émotive, elle risquerait de craquer. D'accord. Mais je n'irai pas devant un jury d'accusation si je n'ai pas d'excellentes raisons. Merci pour la pizza. Nous vous avons demandé de venir, Joan, parce que vous êtes la seule personne en dehors de Bridget qui soit capable de nous éclairer sur la vie conjugale de Ron. Vous pouvez peut-être trouver quelque chose que nous avons négligé? Jusqu'à présent, vous n'étiez pas tellement intéressé par mon aide, alors... Qu'est-ce qui a changé? Aimez-vous les paris, Joan? Pas vraiment. Moi non plus, je déteste cela. Mais sur cette affaire, c'est nécessaire. J'irai devant un jury d'accusation. J'obtiendrai sa mise en accusation. Et moi, j'irai l'arrêter. Excellente nouvelle. Merci. Avec un peu de chance, elle restera derrière les barreaux jusqu'à la fin de son procès. Puis ce sera à nous de jouer. À nous de chercher la preuve irréfutable, en espérant la trouver avant la fin du procès. Le mobile, Joan. Vous pouvez nous aider à trouver la preuve irréfutable que Bridget Michaels a délibérément choisi de tuer Ron Michaels à cet instant très précis. Et pour une raison bien spécifique. Elle vient d'arriver. Marc! Marc, où es-tu? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Bridget Michaels, j'ai un mandat d'arrêt contre vous sur décision d'un jury d'accusation pour le meurtre de Ronald Michaels. Non! Mais je n'ai pas tué mon mari. Vous avez le droit de garder le silence. Non.
Si vous choisissez de parler, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant la justice. Emmène-la, je vous retrouve au poste. D'accord, chef. Madame Michaels, je vois que vous avez rempli un constat d'indigence. Vous réalisez que cela signifie que vous êtes trop pauvre pour avoir l'avocat de votre choix? Oui, monsieur. Je vois que vos dettes s'élèvent à plus de 200 000 dollars et que vous avez moins de 900 dollars d'économie. Quant à votre salaire de secrétaire à la faculté de médecine, il est de... Je gagne 1 600 dollars par mois. Je vois rarement des propriétaires fonciers faire un constat d'indigence, mais tel est malheureusement votre cas. Par conséquent, la Cour désigne Winston Baker comme étant votre avocat. Alors, ça progresse? Lentement. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais, on a ramené des papiers de chez elle aujourd'hui, des factures, des relevés de compte. Je voudrais savoir si tout concorde bien. S'il n'y a pas des achats que Ron n'aurait pas fait, et s'il n'y a rien d'illogique, il y a forcément un mobile financier derrière tout ça. Bien. Ça fait une sacrée pile de papiers. Vous avez demandé à être mêlé à l'enquête. On est connus dans cette communauté. Jamais nous n'avons pensé fuir. Vous êtes donc prête à vous endetter pour que votre fille n'attende pas son jugement en prison? Oui. Madame Rollins, est-ce que vous réalisez que la caution s'élève à 5 fois la somme dont vous disposez, soit 250 000 dollars? Pouvez-vous réunir une telle somme? Pas toute seule. Votre honneur, lors du procès, l'accusation apportera la preuve que l'accusé a en réalité commis 2 assassinats. Le montant élevé de la caution souligne le fait que lorsqu'une personne commet de tels crimes, elle représente une menace pour la société. Votre honneur, ma cliente n'a jamais été confrontée à la justice de toute sa vie, pas même au sujet d'une contravention. L'accusation dont elle fait l'objet aujourd'hui est en train de ruiner sa vie. Elle a été renvoyée de son travail du jour au lendemain. À cause du procès, elle ne peut plus rembourser ses dettes. Laissez-la retourner auprès de son fils, de son église. Cette femme n'a rien d'autre au monde, c'est tout ce qui lui reste. La motion pour réduire la caution est rejetée. Oui. Madame Rollins, vous pouvez retourner à votre place. Votre honneur. Avez-vous quelque chose à voir avec cette affaire, monsieur? Votre honneur, on est tous membres de la même église que notre amie Bridget et on voudrait se joindre aux parents de Madame Michaels afin de payer sa caution grâce au gage de nos maisons. Nous disposons du montant nécessaire, 250 000 dollars. Et encore. Tu devrais faire attention à toi. Non, je suis désolée. Je crois que je n'aurais pas dû apporter ces papiers chez vous. Je vous empêche d'aller vous reposer. Oh, non. On dort assez mal, de toute façon. Oh, j'ai toujours aimé cette photo de vous deux. C'est si difficile. Je ne crois pas que j'arriverai à le faire. Je veux dire, j'ai essayé. Mais lire le courrier de Ron... Connaître chaque détail de sa vie auprès de cette femme. Ça fait vraiment trop mal. Est-ce que vous pourrez me pardonner? Te pardonner, Joanne? Mais quoi? Ron serait sûrement encore en vie. Si je n'avais pas voulu qu'on divorce, il ne l'aurait jamais épousée. Oh non, chérie. Tu as tort de réagir comme ça. C'est de ma faute! J'ai dédaigné notre mariage. C'est moi qui l'ai tué. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi. Ce n'est pas toi qui as tué mon fils. C'est Bridget qui l'a fait. Tu es la meilleure amie que Ron ait jamais eue de toute sa vie. Et tu continues à te battre pour lui, bien que son âme ait rejoint le ciel. Mais il faut que je trouve cette fichue preuve. Je vous dois au moins ça. Thank you.
Maman? Marc, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir. Notre maison me manque. Qui a décidé de la louer? J'en sais rien. Mais c'était une bonne idée, Marc, parce que depuis que je n'ai plus de travail, on ne pouvait plus continuer à la payer. Oui, mais je sais pas. Ils auraient dû nous prévenir. C'est vrai. Mais, en fait, tout s'est passé si vite, chérie. Marc? Il est très tard, tu sais. Tu devrais être au lit. Chut, va te coucher. Je monte tout de suite. D'accord. Maman, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur, j'ai très peur. Bridget, je crois que la seule chose qu'il y ait à faire maintenant, c'est de s'en remettre à Dieu. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Les genoux, le regard, allez, allez! Hé, Charlie, viens voir. Qu'est-ce que c'est que ça? On a découvert ces cassettes il y a quelques jours. J'aimerais que vous identifiez cette voix. C'est Ronald. Ouais. Elle commence à me faire un peu peur. Je l'ai surprise avec un type. C'est déjà dur à avaler, mais en plus, je crois que nos problèmes financiers recommencent de plus belle. Ça fait 2 mois que je n'ai pas vu de relevé de carte de crédit. Comment le facteur fait-il pour les égarer? Vendredi, j'ai perdu mes clés. Elle a couru à ma boîte postale pour intercepter les factures. Je cherche désespérément le moyen de sortir du mensonge. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a peut-être menti aussi à propos de la façon dont Lee Smith est mort. Je me confie à ce magnéto, il n'y a que comme ça que je peux en parler. Je ne peux pas le dire à Joanne, je me trompe peut-être. Je n'ai pas le droit de la tirer dans cette histoire, j'y ai déjà causé assez de soucis. Je devrais la laisser vivre sa vie et être heureuse. Cet enregistrement a été retrouvé à l'école. Votre intuition à propos de tout ceci était bien fondée. On la tient maintenant, dites-moi. Becker connaît son affaire. Et je vous garantis qu'il y aura un défilé de toute la famille devant le jury. Et qu'ils jureront que ce n'est pas sa voix, mais... Écoutez, Joanne, je sais que c'est difficile. Vous le pleurez encore? J'aurais dû me rendre compte que la véritable veuve de Ron Michaels, c'est vous. Merci pour tout. Dans chacune des affaires, l'arme est un pistolet semi-automatique de calibre 25. Chacun des maris de Bridget Michaels est mort après avoir reçu une seule balle, tirée pratiquement à bout portant. Et à chaque fois, elle était l'unique personne à être présente au moment du drame. Ron et Lee ont chacun été tués dans leur chambre peu de temps avant l'aube. Et chacun d'eux avait de très grosses dettes. Une semaine après chacun des meurtres, Bridget Michaels perçoit son héritage, sans scrupule. Tout est là. Côte à côte, les testaments, les polices d'assurance vie et les armes dont elle s'est servie. J'ai ici l'arme qui a tué Ron Michaels. Tenez, vous pouvez la manipuler. Jugez par vous-même combien il est difficile ou
combien il est facile de faire partir le coup. Viens manger quelque chose, on va être en retard pour le tribunal. J'arrive tout de suite. 31, 32. Ce chèque a quelque chose de bizarre. Diane, venez voir. Regardez. Qu'est-ce que tu as trouvé? Regardez les signatures. Regardez le chèque qu'il a écrit pour le teinturier et celui qu'il a établi pour la banque Snow & Ridge. C'est étrange. Ils sont différents. Attendez un peu, il y avait une demande de prêt par ici adressée à la banque Snow & Ridge. Elle a imité la signature de Ron. Regardez la date. C'est le jour de la mort de Ronald. Je t'ai trouvé ça. Oh. Il faut que tu fasses bonne impression devant le jury. Oui, maman. Très honnêtement, Bridget, je ne vois pas ce que ça a de si drôle. C'est toi que je trouve drôle. Tu choisis encore ce que je dois mettre. Tu fais en sorte que je fasse bonne impression. Ça me rappelle le jour de ma première communion, sauf que j'ai grandi, que je suis une femme. Bridget Michaels a dilapidé l'argent de ses deux maris. Voiture, diamants, robes haute couture. A-t-on réellement besoin de tout ça? Le besoin n'est-il pas dans ce que ces choses représentent? Des preuves qu'on a réussi. Des preuves qu'on est aimé. Bridget Michaels allait à l'église. Elle s'efforçait d'être une femme parfaite, mais ça ne lui suffisait pas. Rien de ce qu'elle s'offrait ne réussissait à la combler. Et aucun de ses maris ne satisfaisait son besoin d'être aimée. Elle a détruit son mariage avec Ron comme elle l'avait fait avec Lee. Un chèque que Ron n'avait pas lui-même écrit, censé rembourser un prêt dont il ignorait tout, allait leur être retourné. Son mariage risquait de se briser si Ron le découvrait. Bridget manquait cruellement de temps. Où? Peut-être est-ce à Ron qu'il a le plus fait défaut. Cet homme respecté. S'est simplement endormi, sans se douter qu'il ne se réveillerait pas. Messieurs les jurés, je vous demande de reconnaître l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Madame Michaels n'est pas ici aujourd'hui pour répondre de la mort de Lee Smith, ni pour se justifier de son endettement. Ni même pour avoir raté son mariage. La seule question que vous avez à vous poser aujourd'hui est de savoir si la preuve a été faite que Bridget Michaels est coupable du meurtre de son mari, ou est-ce qu'au fond, il subsiste un doute. Sachez que cette femme, fervente pratiquante, mère d'un enfant, est présumée innocente au regard de la loi. Étiez-vous dans la chambre des Michaels durant cette nuit tragique? Le coup de feu qui a tué Ron Michaels, était-il oui ou non intentionnel? Et le chien courait après et il n'arrivait pas à l'attraper. Et alors il a couru après la balle. C'est moi qui... Oh, regarde, Harry, regarde! Ginny, reviens! Ouais. Oh, Marc! Grand-mère! Oh, Marc! Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Monsieur le président du jury, veuillez rendre votre verdict. Votre honneur, notre verdict est le suivant. Bridget Michaels est coupable de meurtre avec préméditation. La défense a-t-elle une déclaration à faire ?